Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. Un grand concert live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. KLM Ministries 117 Bush Grove, Tottenham, London N176UR. Contactez-nous plus 44 744 88 64 290 ou alors plus 44 704 053 22 375. Bonjour, welcome to Welcome TV. Alors, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous sommes en direct aujourd'hui, les alliés d'idée, journée, où notre sœur Sandra Azobeta concert naïe, na Tottenham. Alors, déjà, arrangement de Jésus Salaman, après-midi, à Abishon, nous sommes à la Kuna. Les alliés d'idée pour Abishon, dans Londres, dans la diaspora, tous à la Tokende Kuna. Alors, avant la zone, tout le monde, il y a notre sœur Chessibi. Déjà, et ça a marché. Toyo Kango, les plus beaux cadeaux, on a pèsé bien au surtout bandeko, balinga mboka na bango. Et tous les amis déjà, Adjo Kaka, on a pèsé bien au les plus beaux cadeaux à Chessibi. Alors, princesse, reportage. Ma plus belle histoire, c'est l'histoire de ton âme.
Alors, welcome back to Welcome TV. Nous venons de suivre la chanson de notre sœur Tracy B, la charismatique. Yepe, Torozani, Lelo, na concert, ya notre sœur Sandra, Aroye, Mbappé, Banzé, Mbokuna. Alors, l'actualité Zébélé, dernièrement, c'était avant-hier, j'ai causé avec un frère, Alobi Nangaï, qui est non Félix Tshisekedi, Azavema, donc faux combattant, Azamutu, Azobunda, pour Nalibumuna, Alobaki, trop. Et ça l'a un parce que Natala, Félix, Abanda Kumbana père naïe. Donc, les Andeka Abato, Bayendeka Kouambouye, IDPS, Siko, Bachisekediste, Baye Kouambouye, IDPS, Pona, Mabumna, Bande Bazo Kouambouye. Abanda Kumbana père naïe, naïe, c'est non, 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 Azaf, ma combattant. Mais, Kumbande changer na système Oyo, Batunde Bakoumi na système ke, Bakota na Nenga politique. Nangana laxa, Ibino image, Bomona Nenga Félix, la bêta policier na Zaventem belge. Tshisekedi se trouvait à Bruxelles nationale pour y prendre un avion des lignes portugaises vers Kinshasa. Mais sans le savoir, dit-il, il était en Belgique en situation irrégulière car frappé depuis 3 ans d'un ordre d'expulsion. Le temps de s'expliquer, l'avion décolle, ce qui provoque la colère de ses sympathisants et rapidement une bagarre générale. Marc Bouvier. Monsieur Tshisekedi devait participer aujourd'hui à un important meeting organisé à Kinshasa par l'UDPS à l'occasion de l'anniversaire du parti. Il se présente donc hier soir à l'aéroport de Bruxelles National pour prendre un avion des lignes portugaises à destination du Zaïre. Une cinquantaine de sympathisants l'accompagnent. Seulement voilà, Monsieur Tshisekedi est retenu au poste de contrôle. À ce moment, on ignore encore pour quelles raisons. Parmi les militants de l'UDPS, l'ambiance s'échauffe. Amenez une bonne réponse parce que ça va tarder. Le temps continue donc. Les heures tournent et finalement l'avion décolle sans que M. Tshisekedi soit à bord. Il ne pourra donc pas participer au meeting. La colère éclate. Trois blessés dans les rangs des forces de l'ordre, 2 blessés parmi les militants zaïrois. Il n'y aura pas d'arrestation, mais l'affaire ne se conclut pas là. On connaîtra ce matin seulement la raison de l'interpellation de M. Tshisekedi. En fait, l'opposant zaïrois faisait l'objet d'un ordre d'expulsion signé en avril 88 par Jean Gol, à l'époque ministre de la Justice. Cet ordre d'expulsion, basé sur un arrêté ministériel, était valable pour 10 ans. M. Tshisekedi affirme qu'il n'en savait rien, et on peut le croire puisqu'il avait reçu récemment un visa des autorités belges avec la bénédiction de l'Office des étrangers. Il vivait en Belgique depuis plusieurs mois au vu et au su de tout le monde. Vous le voyez ici participer à un faire le point sur nos antennes le 9 décembre dernier. En outre, il voyageait régulièrement à l'étranger avec un visa parfaitement en règle. Comment se fait-il dès lors qu'un gendarme lui ait soudainement signifié qu'il était recherché et qu'il se trouvait en situation irrégulière ? N'est-il pas étrange qu'on s'en souvienne précisément le jour où le leader zaïrois devait s'envoler pour présider au Zaïre un grand meeting d'opposition ? Et puis, comment expliquer cet invraisemblable paradoxe ? On interpelle M. Tshisekedi sur base d'un ordre d'expulsion et de la sorte on l'empêche physiquement de prendre son avion alors même qu'il ne souhaitait qu'une chose, quitter le pays. Alors, excès de zèle d'un fonctionnaire prisonnier d'une logique absurde ou sombre machination visant un parti d'opposition zaïrois à travers son leader? Écoutez l'avis du principal intéressé, Étienne Tshisekedi, qui, par la force des choses, est toujours en Belgique. Avez-vous le sentiment qu'on a voulu retarder volontairement votre départ pour Kinshasa? Oui, c'est non seulement les sentiments, c'est ma conviction qu'on a voulu retarder ma présence au meeting de mon parti à Kinshasa aujourd'hui même. Et selon vous, qui avait intérêt à une pareille manœuvre? Mais le milieu du département, le milieu politique du département de la justice, bien sûr, parce que je vous dis que les gendarmes répondent chaque fois à ma femme, si vous n'êtes pas contente, si vous n'êtes pas contente, madame, adressez-vous au département de la justice, nous avons reçu nos autres instructions, nous faisons notre boulot, voilà. Alors, curieusement, vous devriez être expulsé à l'heure qu'il est et vous êtes toujours en Belgique.
Bon, ben, merci, mais c'est la question qu'il faut poser aux autorités compétentes. Ils doivent appliquer les arrêtés d'expulsion. Quel est votre sentiment par rapport à toute cette affaire? Mais justement, le sentiment confirme justement le caractère politique de l'affaire. On veut... Le problème n'a rien à faire, n'est pas juridique. Simplement, on veut exécuter la volonté ou les manœuvres du dictateur zaïrois. Alors, pour le faire, il faut bien trouver quelque chose au niveau de la Belgique. C'est comme ça qu'on est allé sortir de cette arrêté. Alors, welcome back to Welcome TV. Alors, bon, Félix Tshisekedi Azalaki vraiment un combattant, c'était dans les 91. On a bien eu combattu. N'inga bêta policier dans la vingtaine aéroport, donc pas de commentaires. Alors ça m'a poussé à un verset dans la Bible pour nato Dieu bako réfléchir moi mouké naé bako zung sabinoma nama loba mouké selon la parole de Dieu dans les livres de Hébreux chapitre 10 verset 23. La Bible dit ceci. Retenons fermement avec assurance la profession parce que celui qui a donné la promesse est fidèle. Alléluia. Hébreux chapitre 10 verset 23, tout en allant tous ensemble. Hébreux 10 et 23, la Bible dit ceci, retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Bien, mais ce qui est un verset, un passage biblique, c'est un passage. Parce que nous avons dit que tout retenir fermement, donc ma casse, et puis avec assurance, la profession, parce que il y a ça la promesse à sa fidèle. Ce qui m'a tapé sur la promesse, et ça dépend de la promesse, ni de la promesse. Mutako pesa o promesse, mais la promesse ezalaka mingi accomplie selon la personne qui te donne cette promesse. Na pesa exemple, si vous avez une voiture, na osa l'assurance. Quand vous poussez la voiture, tu seras à l'aise parce que tu as l'assurance. Ce qui Bill Gates a pesa o promesse, a dit sur que non mon frère, ma sœur, na pesa yo peut-être 50 millions de pounds. Au cause de la nation, c'est parce que Oyebike, Bill Gates m'a tapé sur la promesse parce que Oyebike. Mais celui qui te donne cette promesse, il est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous donne le souffle de vie. Alobina Biso, tout kanga promesse na yema kasi, retenons fermement avec assurance. Parce que yé oyakela li kolona se. Azali juste et peu fidèle. Parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous donne le souffle de vie. Bien aimé, souffle et vie, oyo zalango, moutou a pesa yo promesse, oyo alobi, o karango avec assurance. Yé moutou a koko lo bake lelo, o vivre sous souté. Et c'est la même personne, il est aussi ton père. Ce qui n'a vendu Nathalie, malgré que je n'ai pas de père, maintenant Nathalie n'a dit, j'ai un père. Mon Dieu, il est mon père. Quand nous prions notre Père qui est aux cieux. Il est mon Père. Il est mon assurance. Assurance, il y a vie dans l'Esaïe. Il y a une promesse au Yalobi que non. Il va m'élever dans le niveau de la dignité. Il va me faire en fait que Naza la supérieure à chaque fois. Il y a une promesse que Yalobi n'a que je serai plus fort et plus que vainqueur partout où je serai. Nazo kanga promesse avec assurance. Parce qu'il est fidèle et juste. Et tu as la promesse, bien aimé, ne regardez pas les difficultés de ta vie. Les choses sont passées par un moment difficile. Banda kota la Bible. Banda kota la promesse, yanzambe na Bible. Bible lobi, croire nango. Ndima. Tant yon dimi, ça va s'accomplir dans ta vie. Car Dieu, il est notre berger. Il est notre assurance. Il est notre protecteur. Mabele et Kokako Kangayete, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Il a changé la vie de toutes les personnes. Hérode à Kokako Boumaete. Bien aimé, Batuna Mokili, ba comprendre Yete. Il a changé l'existence de la vie. A Sekui Saba Sekui, a changé le nombre. Natangu Yaka, l'avant Boutama, on comptait de moins avant Jésus-Christ. Quand il est mort, il est né, Babani ko comptait de 0, 1, 2, 3, Makambo est changé. Donc c'est cette Père-là qui est notre Père, qui est notre Dieu, qui est notre protecteur. Il te donne la promesse
que yoko bangate kanga promesse ya nzambe makasi avec assurance za na assurance wana que oya loba na vie na yo ekokokisama makambo yi aloba na vie na yo ekokokisama parce que aza fidèle comme dit la Bible. Si tu le crois, cette semaine que je suis en train de te parler, bien-aimé, au moment d'un miracle, moi que je salue malakati na vie na yo. Banda ko kwa na bula mu na nzambe. Banda ko kwa na makamu nzambe agloba na Bible. Banda ko nima yango. Bible lobi kanga yango avec fermement. Retenons fermement la promesse avec assurance, car celui qui l'a promis, il est fidèle. Celui-là, c'est Dieu qui est notre Père. Azada di na biso. Bien aimé, il est notre espoir. Espoir n'a pas de se faire. Bien aimé, comme il est là, il est là, qu'on se soucie, parce qu'il est juste et fidèle. Et promesse dans Zambé, et qu'on s'accomplit dans bon moyen. Et tu seras plus que vainqueur, partout tu seras. Et la maladie, et qu'on a là, na bon moyen dans la vie, na yote. Parce qu'il a vaincu la maladie. Yeah, yaki, batouka kiye, batouka kiye. Il a été guéri à cause de toi. Andimi asko azwanzo tu abomoto ayako vivre le col abisso amona commerce que nous sommes en train de souffrir, mais il a vaincu. Il a vaincu le monde. Comme lui il a vaincu le monde, nous aussi nous sommes ses fils, nous allons aussi vaincre le monde. Et batuna mokili bakoko kabiso te ata 1000 à la gauche na yo 10000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint parce que je tiens la promesse de Dieu fermement, avec force, avec assurance, parce qu'il est fidèle, comme dit la Bible. Nazo challenge yo mutozo la nanga na après-midi na lelo. Commencez à croire à la promesse de Dieu. Banda kondima na promesse ya nzambe. Banda komona ba bonne chose à chaque fois. Ya bolamu na nzambe na kati na vie na yo. Banda kotala, oui, tu étais encore enfant. Quand tu étais enfant, nenge ni nozalaka, commence que partir au outa. Ba difficulté le kana ngona vie. Et lelo peut-être osa na kati na poto. Beaucoup de gens m'ont envié la place aux allées. Les supporters de Zomola qui ont été en train de t'envier. Ils sont en train de t'envier. Ils ont besoin de comment la poste aux allées. Ils ont besoin de comment la place aux allées. Voilà pourquoi ils sont en train de mouiller. Mais quand ça mouille, quand ça mouille, parce que tu es fort, tu es puissant. C'est lui qui t'a créé. Alors, la promesse, on a la paix, ça y est, quand on a un mot avec assurance. Assurance. Ezali, et loko, quand tu as l'assurance, il y a tout. Quand tu as l'assurance, au moins, on a que non à l'aise. Quand tu conduis la voiture avec assurance, au bangate parce que l'assurance, c'est ça. Mais la promesse de Dieu, les promesses de Dieu, où il y a chaque cas de vie, bien aimé, ça va s'accomplir. Yo y a un tambour, la tête est haute. Il y a un croire, la promesse de Nzambe, parce que papa n'a pas Dieu, il est mon père, il est mon berger, mon protecteur. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il me tient par la main. Atana koya ko tombola ngai. Azali nzambe oyatika kabala na ete. Ataba tu bazo budisu je serai plus qu'un vainqueur parce qu'il a dit ça. Nazo kanga promesse ya nzambe avec assurance fermement fermeté parce que Dieu existe. Bien-aimé dans le Bible, promesse ya nzambe, promesse ezo dépend na muto azo pesa o promesse. Mais celui qui me donne cette promesse, il est le Dieu le créateur. Il est partout dans le monde. Personne ne peut le combattre. Mutu mokote abundisaka nzambe po alonga, nzambe apolakate. Donc quand moi, mon père apolakate, moi aussi je suis son fils, je ne peux pas, n'a ko polaka jamais. Parce que nazo tambola na promesse ya nzambe wana. Nazo tambola la tête haute parce que je sais celui que je sers. Et je sais que la personne que je suis en train de servir, il est le Dieu non pas tout puissant, mais le Dieu tout puissant. Et zakaraba puissant, mais nzambo yangaza tout puissant. Nzambo Yanga, c'est le Dieu créateur de l'univers. Celui qui a créé toutes les choses. Il est le créateur. Il était au commencement et il est aussi à la fin. C'est lui l'architecte de ma vie. Il est aussi l'architecte de ta vie. Vinayo, Ezalamabo Konaye, a planifié en haut déjà. Et il faut y aller en haut. Il t'a créé bien avant la fondation de ce monde. Avant Mokile Salama. Nzamba s'est créé en haut déjà. Tu es une personne émerveillée. Tu es plus qu'un vainqueur. Bien aimé, la raison de la bino sous Hermoko, Tokanga, promesse à Nzambe. Et ce que je verrai te laisser, oh, nazo tikelo na après-midi na lelo, Hébreux 10 et 23, retenons fermement, avec assurance, la promesse que Dieu a donnée dans ta vie. Kanga yango ma kasi, parce que Azali juste et peu fidèle.
Alors, nous avons une image tout le monde a une image. Bongo sima la rozonga la bino su Hermon na ba 16 hour. God bless you and see you after. Andi kuvaye wabona kuchusa. Chimwe aku ndi makungu auri. Rari koseja na makungu abana ba burune ba zvikoro. Uri zvipinga ni zvidau bana ba burune ba zvikoro. Ifono vatendere vaite vachiguda zvonga ndinge. Aro inyoko ngachisima nyori king. The visit by DRC King, what was it complete all about? The visit by the DRC King, King Zumbi, it was all about building the relationship between the two kingdoms. As we all know and understand that this month it's African month, Africa month, then he's here to learn. One thing that we spoke about is we discussed a lot about the xenophobia issue. As we know, we have a crisis here in South Africa. Brothers are killing each other. People are just fighting. Then we as kings, we are saying no to xenophobia. We have agreed amongst ourselves that as leaders, sometimes we need not to talk only. We must lead from the front. That's why he is the king from DRC. He's here in South Africa to show people that we are saying no to xenophobia. Are we going to say in future maybe yourself also visiting him the side? Yes, one thing that we have discussed is we spoke a lot about the exchange programs, whereby in future students from Venda will go to DRC to learn about culture and tradition. Okay. Just 2 minutes, just about your visit here and your position on what the king raised here, the xenophobic attacks that we have seen in this country. Yeah, like as the king is saying, my brother and my leader of Venda, like as he's saying, is one thing they want us, a traditional leader. We have to wake up to that because Africa is in Africa. Africa can never separate. Africa, we know why the God is separate between Europe and Africa. The God gave us Africa, we must protect our Africa. That's why we say no with the xenophobia. We make it very far with African people. That's why we can tell all the population of Africa, South Africa is welcome people. South Africa is one of a peaceful country in Africa, so we never can separate with our brothers. And what do you think, what do you say about the Africa Day celebration today, tomorrow in this country, in the continent? People will be celebrating Africa Day. What are you saying about it? It's very wonderful. That's why I say we African. God, you know why he called us African, he called other people European. So enjoy our month of African, and everybody they must come to South Africa to enjoy these days. That's why we was talking more with my colleague, my brother, the king of Venda. We were talking more about a month of African. So I can say I'm very glad to see how to learn how traditional in Venda they are strong in South Africa. So on the soon year also we are going to invite the king of Venda to DRC to receive him in DRC. Is going to see how also DRC we are very strong in our tradition. Thank you so much. Thank you very much. Wait.
你想要说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 你想